Philippiens 2, verset 10. Afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Et nous venons parler de l'efficacité de le sang de Jésus. Le sang de Jésus a une grande efficacité, puisque le sang de Jésus, c'est le sang qui guérit. Le sang de Jésus, c'est le sang qui efface les péchés. Le sang de Jésus, c'est le sang qui coulait pour les maux d'Ancien. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le sang de Jésus a versé sept fois pour nous avant de monter à la croix. Il a toujours parlé nous. Il a toujours dit nous, sang Jésus versé pour nous, c'est sang Jésus qui bat nous la vie. Immédiatement, on a prié le sang de Jésus ou couvrir en bas le sang de Jésus. Ça fait à chaque fois on a prié ou besoin de protection et ou besoin d'agir fort pour dire le sang de Jésus. En plus que ou doit qu'on ait efficacité le sang de Jésus, ou doit couvrir avec le sang de Jésus, puisque vous êtes chrétien, vous acceptez Jésus comme sauveur et mais tout. Moi, je parler avec vous, je vais vous comment que le sang de Jésus t'est versé pour moi-même avec vous. Le sang de Jésus, Christ a versé sept fois. Le sang de Jésus, Christ a versé sept fois. Premier côté que le sang de Jésus a versé pour sauver le monde ou bien l'humanité, même j'en dis dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui, mais qu'il ait à la vie éternelle. Premier côté que le sang de Jésus a versé, c'est dans le jardin Gethsémani, selon Luc 22, verset 44. Deuxième côté que le sang de Christ a versé, c'est devant Pilate, selon Jean 19, verset 1er. Que le troisième côté que le sang de Jésus a versé, c'est devant Caïphe, Jean 19, verset 14, à la fin. Le quatrième côté que le sang de Jésus-Christ a versé pour le monde, c'est pendant qu'il était sous croix. Pendant qu'il était fourré couronne d'épines dans la tête, pendant qu'il était pris couronne d'épines pour fourrer dans la tête. Selon Jean 19, verset 2. Le cinquième côté que le sang de Jésus a versé, c'est ses mains, t'es abaissant, t'es versé pour nous. Mais t'es percé. C'est dans Somme 22, verset 17. Somme 22, verset 17. Sa main fit percer. Le sixième côté, c'est pieux. Pieux, lui. Non simplement les mains, mais les pieux de Jésus. C'est dans Somme 22, verset 17 aussi. Les troisième, les septième fois que le sang de Jésus a versé, c'est son corps fit percer. C'est dans Jean 19, verset 31 à 34. Chers frères et sœurs, sang Jésus a versé pendant sept fois pour moi-même avec vous. Sans ça, pas de versé pour nous vivre, j'en ouvre. Mais sans ça, t'es versé. Une fois pour tous, pour retirer nous. En bas péché. Non simplement péché Adam, mais péché qui n'a pas commis chaque jour. Puisque la parole de Dieu a dit dans 1 Jean 1er verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner ses iniquités et tous tes péchés. Chers frères, puisque vous reconnaissez péché, Jésus fidèle.